Bonjour mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vais allumer ça, Trita, pour moi, ma protection, et pour vous, pour votre protection. Voilà. Aujourd'hui, ouais, c'est ça, Trita. Enfin, pour l'instant. Après, ça sera ma copine, Sainte-Thérèse. Voilà. Hop là. Et puis, il faut que je finisse celle-là, hein. Avec l'ange, elle est bientôt finie. Et j'ai encore ma grande là aussi. Ah, j'en ai pas mal de bougies. Hein. Nous, de toute façon, quand on tire les cartes, on est Miss et Mister Bougie. C'est comme ça. Bon, voilà. N'oubliez pas de partager ma chaîne. Mettez des pouces, des commentaires, des pouces, des pouces, des pouces. Alors là, j'ai regardé. Sur les JO, j'ai eu 990 vues. J'ai eu 9 abonnés. C'est pas beaucoup hein, pour la totalité de vues. Et là, pour la puce dans la main, j'ai eu 500 vues et j'ai eu 3 abonnés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Enfin bref. Passons. Donc là, on m'a demandé de faire Céline Dion. Mais on ne va pas demander une question. On m'a dit, pouvez-vous regarder pour Céline Dion? Bon, alors du coup, on va regarder sans poser de questions. Pour l'instant. Je pense que je vais faire comme ça. Et s'il y a un truc qui ressort plus qu'un autre, j'irai creuser. Je pense que je vais faire comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Donc, vous avez vu, hein, ça y est, hein, l'oracle des anges numéro 2, c'est-à-dire l'extension de mon oracle des anges, hein, que pas mal utilisent sur YouTube. Ça y est, hein, je l'ai créé, je l'ai envoyé à mon imprimeur l'a autorisé, hein, parce qu'il n'y a pas que moi qui décide, hein, parce que des fois, il y a des photos qui m'a refusé, donc il a fallu que je les remplace, enfin bref. Je ne vais pas vous en raconter, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et du coup, ah non, celui-là, je peux pas. Attendez, je peux pas. Ah oui, non, il est trop dur. On va le faire comme ça. Du coup, voilà, il est sorti, il est sur Etsy. J'en ai commandé, comme d'habitude, un exemplaire pour moi, pour voir comment qu'il se présente un peu, et pour le mélanger avec la voix des anges, hein, vu que c'est une extension. Voilà. Donc vous verrez l'extension, il est plus détaillé, il parle bon toujours cet oracle-là est fait pour les disparitions, hein, disparitions, les cold cases et tout ça, mais aussi là j'ai un peu mélangé pour qu'on puisse aussi faire tout ce qui est par exemple énergie du mois, enfin voilà. Vous verrez, il est pas mal aussi l'extension. Enfin moi il me plaît. C'est normal, c'est moi qui l'ai créé. Allez. Trêve de plaisanterie. Qu'est-ce qu'on peut demander? Ah tiens, pour sa santé. Tiens, on va quand même poser une question pour la santé de Céline Dion. Alors, la santé, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me dire sur sa santé de Céline Dion? Qu'est-ce que tu peux me dire? C'est le DCK. Hein? Bon, c'est la première fois que je l'utilise, lui. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la santé de Céline Dion? J'ai du mal à le. Vous voyez, les cartes, elles sont assez grandes. Donc, moi, il y a un moment, ça me fait mal aux doigts. En plus, il est dur. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, sur la santé de Céline Dion, là, à l'instant présent? Alors, j'ai le commerce sur l'impasse. Bon, là, c'est pas sa santé, là. C'est-à-dire que là, elle a des problèmes d'argent. Ça peut être possible, hein. Plus ils en reçoivent, plus ils en dépensent, ces gens-là. Hein. Ah, voilà. Là, j'ai la santé. Ok. En plus, ça sent à l'envers. Moi, c'est moi qui les ai mis à l'envers. Bon, ok. Il se dit à l'endroit, celui-là.
Donc là, on voit bien que sa santé, c'est pas top, hein. Ah, c'est pas terrible. Et on voit bien que bah, elle vieillit, mais elle vieillit très mal et ça lui fait très peur. Elle se voit dégringoler et apparemment elle ne veut rien faire. Bon, là on parle d'autre chose, donc on s'en fout. Hop, 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 allez. L'évolution de sa santé à Céline Dion. Là, je vais peut-être faire évolution. Vous voyez, glisse mal. Chiant. Hein. J'aime pas les jeux qui glissent mal. Alors, évolution de sa santé à Céline Dion. Donc, S, E, L, I, N, E, C, Line. Dans son foyer, ok, l'intérieur d'elle aussi, hein, son bien-être intérieur. Bon, elle garde la force hein, quand même. Hein. Disons que là, on peut me dire que c'est elle qui tient les rênes hein, dans son foyer. Hein. Je crois qu'il n'y a que elle qui rapporte de l'argent, quand vous regardez bien, hein, avec son commerce et tout. Alors, c'est la porte qui s'ouvre. Elle a des humeurs, un coup ça va pas, vous voyez. Très changement d'humeur, ok. Ça ne doit pas être facile comme femme, hein. Alors. Ah oui, le départ, c'est son déplacement JO avec son fils. Ok, d'accord. Donc, du coup, ben on va les recouvrir. Hein. Elle se soigne, on me dit, bon, ok, bon. Ah, sa force, elle manque de force. Ok. Oh, j'ai le départ au ciel là. J'ai un départ pour une élévation. Hein. Bon. Passons. On va pas parler de ça. Hein. C'est bon. Ok. À mon avis, elle doit avoir des problèmes avec un de ses fils. Hein. J'ai un enfant, j'ai un homme là, il n'y en a pas ça. Alors, je ne sais pas si elle a des problèmes de famille, cette personne-là. Mais on voit bien que c'est elle qui apporte l'argent dans le foyer. Ok. Par contre, dans les sentiments et tout ça, il y a un accident. Donc, ça peut parler de son fils. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi je vous dis de fils, mais ça m'est venu comme ça. C'est quoi? Quelque chose qui s'est envlimé. Ok. Et il y a eu un départ. Peut-être pour ça que ça va pas trop sa santé aussi, hein, parce que de toute façon, quand on est malade et que déjà l'ambiance au foyer n'est pas terrible, ça n'aide pas la personne. Et j'ai ça en dos de deck. Bon, j'ai l'au-delà en dos de deck, hein, avec le repos derrière. Hein. Oh là, alors. Comme d'habitude avec Céline Dion, hein, j'ai toujours le contrat. Hein, le contrat avec le miroir de sorcière, donc c'est-à-dire des magies noires. Hein. Moi, ça me fait penser au miroir des sorcières. Hein, de la magie noire. Hein, donc, contrat, voilà. Avec la tentation à la signer des contrats, voilà. Et ça l'amène à ça. Hein, à la destruction de son corps. Hein. Ouais. Ouais, quelque chose de néfaste. On lui a volé sa santé. C'est-à-dire qu'en gros, elle a signé un contrat pour avoir toujours des sous, de la popularité et tout.
Mais là, vu que quand on signe un contrat avec la bête, on est bien d'accord qu'il reprend quelque chose. Et là, en fait, c'est pour ça qu'elle est tombée malade. Là, il est en train de lui reprendre son énergie, parce qu'elle a signé pour ça. Il lui vole son énergie. Voilà. Bon, donc sa santé, c'est pas top, hein, je peux vous dire. C'est pas terrible. Tiens, on m'a demandé aussi si c'était elle qui chantait ou si c'était en playback. Alors, est-ce que c'est Céline Dion, pardon, qui chantait? Ben, il y a la femme, ok. Céline Dion qui chantait ou c'était en playback? Bon, je peux vous dire, c'est un playback. Hein. Parce que là, j'ai le contrat, la connaissance, hein, la capacité de. Qui a été fait en manipulation. Donc, ça a été en playback. Peut-être avec l'IA. Parce que c'est vrai que j'ai écouté sa voix, j'ai l'impression que c'est une voix de robot. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bon. Ses fans, bien sûr. Bah lui, même si c'est en playback, elle est malade, hein, donc elle a peut-être plus de voix, hein, voilà. Ses fans seront toujours là pour elle, voilà. Ok. On me dit qu'elle commence à avoir le cœur froid, la Céline. Ah, c'est bizarre. Pourquoi on me dit ça? Enfin, c'est les cartes, hein, bien sûr. Donc, on va prendre le mien et puis on va le laisser parler, puisqu'on n'a pas de questions, hein, bien sûr. Et puis on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut nous dire. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire sur Céline Dion, s'il te plaît? Alors, j'essaie de l'avoir dans la tête. Céline Dion, s'il te plaît. Bon, oui, c'est quelqu'un qui a toujours eu de la chance et de l'argent. Ok, Céline Dion, s'il te plaît. Voilà, c'est le CERN. Mais bon, moi j'apprends autrement, c'est-à-dire qu'on m'annonce un départ quand même. Alors peut-être un départ à la retraite, hein, tout simplement. Hein. Elle s'aperçoit peut-être qu'elle ne peut plus justement chanter. Et qu'elle a besoin de l'IA, hein, pour chanter. Et ça ne lui convient pas, parce que, quand même, elle, c'était sa voix. Hein. Sa voix, c'était son travail. Hein. Allez, Céline Dion, s'il te plaît. Peut-être un. Oui, peut-être un. Elle a peut-être envie de partir, laisser. Enfin, en tout cas, elle ne fera plus de concert, ça, c'est sûr. Hein. Ouais, ça doit être ça, parce que la pointée du doigt, ça doit être les. C'est. Non, non. Non, pas merde. Hein. Ceux qui lui font des contrats, là. Ces auditeurs, c'est. Enfin, bref. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Enfin, bref. Ces contrats, on va dire. Les personnes de contrat. C'est. Tu t'as signé, il faut que tu le fasses. Et elle, vous voyez, elle a plus envie, j'ai l'impression. Elle a envie de se reposer. Tout simplement parce que, vous voyez, elle a un problème de santé. Là, par contre, je ne sais pas, on m'a parlé, on m'a sorti le sexe. Hein. Bon. Oh. Ah oui, non. Ouais, donc, sa maladie, ça peut me parler de plaisir. L'attente et la pénurie. Là, elle est en train de me dire qu'elle n'a plus trop le plaisir de son travail. Je ne parle pas de ses fans. Hein. Ses fans, elle sera toujours là pour ses fans. Mais pour son travail, ça y est, ça l'a.
Il y a un truc comme ça. Bon, bref. Voyez, elle a la blessure, hein. La blessure de l'âme, hein. Bon, elle fait bien partie d'une communauté sectaire et démoniaque, hein. Je suis désolée de vous dire ça, hein. Oui, bah, notre Céline, elle est handicapée, elle ne peut plus faire ce qu'elle veut, point de vue de sa voix, point de vue de sa carrière. Ouf. Donc le trésor avec les pirates, hein, c'est vrai que sa voix c'était un trésor. Hein. Elle a une super, enfin, elle avait une superbe voix cette femme. Elle y travaillait pour avoir une voix. Hein. Il paraît qu'elle parlait pas pendant X temps pour pas fatiguer les cordes vocales. Elle fumait pas, elle buvait pas, elle mangeait pas. Elle était moins maigre. Hein. Je pense qu'elle ne mangeait pas non plus. Hein. Et c'est peut-être ça aussi hein, qui parce que le corps a besoin de la nourriture quand même. Hein. Et vous voyez. Là, le trésor est en train de se... Comment je pourrais vous dire? Il y a pollution. Ouais. Voilà, ça commence à la polluer. En fait, elle voit bien qu'elle ne peut plus. Et j'ai bien la femme qui ressort derrière. Hein. Allez, Céline Dion, s'il te plaît. Céline Dion. Voilà, elle combat sur ce mal-là. Hein. C'est la femme raide, je crois, ou la personne raide, ou je sais pas quoi. Ouais, elle peut plus faire ce qu'elle veut. Hein. Bon, moi j'ai une autre question, s'il te plaît. Est-ce qu'elle fait partie des sataniques, s'il te plaît? Elle n'arrive plus à s'en sortir. Elle ne sait pas comment faire pour ne plus faire son métier. Elle est coincée quelque part. Elle aimerait bien arrêter, être à la retraite, être en repos, mais voilà, elle a une aiguille dans le doigt, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à la retirer, c'est-à-dire que elle est coincée quelque part. En plus, j'ai l'attachement, donc est-ce qu'on la menace, point de vue pécunier, hein, elle a peut-être signé des contrats, enfin bref, de finir son truc, hein. Ça peut être possible. Elle en a marre, hein. J'ai la prière, elle en a marre, elle veut arrêter. Bon, maintenant, s'il te plaît, est-ce que Céline Dion fait partie des sataniques, s'il te plaît? Bon, j'ai la destruction, ok. On injecte une destruction, ok. Est-ce qu'elle fait partie des sataniques, s'il te plaît? Attendez, j'en ai une qui s'est retournée, je sais pas laquelle. Bon, bah, j'ai l'enfant. Bon, bah. Oh. Elle détruit quelque chose, elle injecte la destruction hein, sur la libération des enfants, les crimes. Hein. Bon. Je ne vais pas vous faire une phrase, vous avez compris. Elle détruit quelque chose, elle injecte quelque chose de néfaste sur les enfants. Il y a des crimes contre la liberté des enfants. Donc, pour moi, oui. Vous savez que j'avais fait déjà un tirage sur elle et j'avais sorti la Dénochrome. Hein. Donc, le pacte du diable. Hein. Bon, passons. Voilà, j'ai le laboratoire. Donc, le laboratoire peut me parler de sang injecté, de nouveau sang injecté, et tout ça. Mais ces gens-là, je vous ai déjà dit. Hein. Voilà. Bon, bah voilà, regardez. Le sang des enfants. Hein. Bah oui, effectivement, elle se croit le centre du monde, Céline Dion. Hein. C'est la star mondiale. Enfin voilà, quoi. Ok. Peut-être pour ça qu'elle se permet ça aussi. Elle n'est pas si blanche que ça. Hein. Elle est enfermée, enfermée par sa, par ce qu'elle a signé hein, avec la bête à cornes. Hein. Et elle voudra bien faire demi-tour, vous voyez, mais bon. Elle peut pas. Voilà. Elle a signé, c'est jusqu'au bout. Bon, ben voilà, regardez. Libertinage avec le diable. Voilà, Céline Dion. Hein.
Elle s'est vendue au diable. Voilà. Et elle a des secrets. Ok. Bon, je vais me faire insulter comme d'habitude, hein. Mais bon, je m'en fous. Alors, elle voudrait bien se libérer de ses addictions. Bon, addictions confondues, hein. Ça peut me parler des addictions des enfants aussi, hein. D'accord? Voilà, bon, l'Europe, ça peut parler du monde entier, hein. Bon, il y en a là-dedans qui y touchent aussi, hein. Hein? Les deux, là, Jean-Mich et Mac-Mac. J'ai un départ. Là, à mon avis, on me parle de son fils. Hein. J'ai un garçon qui parle. À moi, qu'on me parle d'autre chose. De plus. Ça tape plus loin, Nick. Hein. Bon, bah, il y a un truc qui va lui tomber dessus. Hein. Une catastrophe. Hein. J'ai un passage de l'autre côté. Hein. Bon, bah, voilà. Hein. Quand on signe quelque chose. Dû à sa santé. Attends. Hop là. On va les prendre un peu comme ça. Hein. Allez, Céline Dion, s'il te plaît. Voilà, sa santé qui commence à dépérir. Hein. Elle fait des vœux, elle souhaite des choses. Là, j'ai le génie. Mais on me dit que ça marche pas, elle dépérit. Hein. J'ai le dépérissement quand même. Voilà, j'ai la cryogénie. Alors, est-ce qu'elle veut avant se faire congeler ça peut être possible. Hein. Avant qu'elle passe de l'autre côté, pour trouver dans le futur une solution contre sa maladie, ça peut être possible. Bon. On me dit que c'est quelqu'un de rusé, de malin. Hein. C'est quelqu'un qui touche quelque chose de néfaste. Quelque chose qui manque chez elle, hein, et c'est encore vis-à-vis des enfants. Voilà. Et on me dit qu'ils sont plusieurs. Hein. C'est une assemblée, c'est une communauté. Regardez ce que je sens. Non mais, attendez. Attendez. Vous avez vu tout le tas que j'ai sur celui-là, parce que je l'ai chopé dans celui-là. Hein. Et je sors ça. Vous savez, cette carte-là, ce que ça veut dire. Regardez. Donc, pour ceux qui aiment Céline Dion, désolé, mais bon, elle aime ses fans. Elle fera tout pour ses fans. Elle veut partir, ça c'est sûr. Elle en a marre de son travail. Hein. Vous voyez, hein. Elle va peut-être avoir une intervention, hein, mais ça ne va rien donner. Hein. J'ai les têtes de mort et j'ai l'enterrement. On va apprendre. Oh là là. Oh, j'arrête pas de y aller. On va apprendre des trucs sur elle, sur les réseaux concernant les enfants, sur les pédos. Hein. Elle n'avait pas créé des. Il y a un truc qui me passe dans la tête, là, des fringues pour les enfants, là, des vêtements pour les enfants un peu sataniques. Il me semble, là, il y a des années de ça. Est-ce que c'est toujours en cours ce truc-là? Je ne sais pas. Vous me direz ça dans les commentaires. Hein. Mais bon, c'est peut-être par ce biais-là qu'elle arrive à choper des enfants pour faire de l'AD plus loin chrome. Et il n'y a pas que ça. Hein. Donc pour moi, ce n'est plus une personne bienveillante. Elle a été au début. Et maintenant, c'est de pire en pire. Donc de toute façon, on sait ce qui va lui arriver. Hein. Quand on vend, je vous dis quelque chose à la bête. La bête vient rechercher après. Hein. D'accord? Bon, allez, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de mettre des pouces, de commenter. Si vous insultez, je vous bloque. Hein, parce que moi, les insultes, je commence à en avoir plein le. Et voilà. Et je vous fais des gros bisous. Mes abonnés, je vous adore. Mes anciens abonnés, je vous fais des gros, 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 gros bisous. Merci, merci, merci de me soutenir. Merci de rester encore sur ma chaîne. Et à bientôt. Bye bye.